Bonjour à tous, comment ça va? Oui, ça va. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve. Salut, Sakdoui. Oui. Alors, l'épisode 13, on avance technologiquement et j'ai fait du limite tout petit, minuscule, comme ça, comme une paire de lunettes, je vous le dis. De hors caméra. Et oui, hors caméra, obligé, parce que sinon, on n'évolue pas, on n'avance pas assez. Et j'étais donc avec ma. Non, on va pas annuler, non! Je vais pas quitter ma tronçonneuse, et dans cette tronçonneuse, bien sûr, vous connaissez très bien. Je vais regarder juste, hop, hop, j'ai disparu 2 secondes, mais c'est normal, faut que je regarde mes rushs et tout, si tout fonctionne bien. Alors, on est avec la tronçonneuse parce que j'ai besoin toujours d'herbe pour ma production d'énergie. Il faut souvent du bois, et je me suis dit, on va papoter un tout petit peu tout en souplesse, tout en finesse. Donc, du coup, je n'ai pas de bois sur moi, vous en faites pas. Je vais juste prendre ça, mais je voulais vous expliquer qu'en fait, la production, faudra l'accélérer de plus en plus. On en a déjà parlé ensemble. Vous voyez que ça part très vite. Les plaques. Normalement, c'est du MK2. Ah non, non, ça, là, c'est bon. Je suis en train de bugger. Donc ici, vous avez vu, j'ai augmenté l'énergie d'un certain appareil que j'ai rajouté hors caméra, les amis. J'étais obligé pour répartir l'énergie un petit peu entre appareils. Ça fonctionne. Les appareils peuvent se cumuler. J'en savais que dalle. Donc du coup, comme c'est cumulé, lui, je pourrais peut-être le culbuter là. Avec un autre câble ici, je le culbute là-dessus. Du coup, ça va dire. En fait, j'ai remarqué un truc. On peut diviser l'énergie dans tous les appareils. Ça veut dire toutes les énergies des appareils. Pardon, je me replace un tout petit peu. Qui sont ici, par exemple. Lui, je l'ai réparti. Il était là, tout seul. Il restait un emplacement. Je me suis dit, je vais le répartir quelque part. Et j'étais là-bas. Pour mettre un appareil derrière que je vais vous montrer après. Et que j'ai réparti sur plusieurs tuyaux. Le tuyau de poteau électrique. Alors il vient ici et il le distribue en 3, je crois. Attendez, comment voir ça déjà? Il le distribue déjà en 3, c'est ça. Donc il vient ici et il va se distribuer là-bas. Lui, l'énergie qui est là vient ici, qui se distribue déjà complet. Il se distribue pour cela-là. Donc pour le bois. Comme il n'est pas souvent utilisé, comme vous voyez, il est à l'arrêt parce que j'ai plus de bois, j'ai plus de feuillage. Donc du coup, bah tout là-bas, c'est pas encore plein hein, au niveau de mes ressources, au niveau des biocarburants solides. Mais je me suis dit, je vais répartir un peu l'énergie pour voir si je peux en récupérer. Et je récupère, attention, de l'énergie grâce à une division d'énergie. Oui, c'est bizarre à dire comme ça. Obligé parce que regardez. Et oui, j'en ai mis un deuxième, j'en ai mis un deuxième, je suis obligé parce que j'avais pas d'énergie pour lui. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer la division d'énergie, et ça fonctionne à merveille. Bon là, il n'y a plus de vis, hein. C'est moi qui remplis parce que sinon après c'est le bordel au niveau des tuyaux, là, au niveau des plaques, là. Il faut les diviser par deux. Et j'ai pas tout, pour l'instant j'ai pas tout. Mais je mets moi-même si j'ai besoin. Par exemple, ici, les rotors, ils ont besoin de beaucoup de vis, comme lui, il a besoin de beaucoup de vis. Et forcément, les appareils qui sont juste derrière produisent des vis en masse. Et ça se remplit encore assez vite. Mais pas assez parce que c'est pas encore assez rapide. Donc lui, il va se remplir, il va, et directement, dès que j'en ai besoin, je pourrais transmettre des grosses quantités de vis là-dedans. Pour l'instant, les plaques et tout ça, c'est pas trop important. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, j'ai réussi à diviser une énergie, pardon, pour lui. Et je pouvais pas faire autrement. Et pour l'autre à côté aussi. C'est un truc de dingue. J'ai réussi à diviser l'énergie en plusieurs parties avec 3 poteaux. Et lui, il fonctionne à merveille, hein. Vous voyez, il y a plusieurs appareils dessus. Il y en a 3 sur un poteau. Le poteau là, il est divisé pour le mettre là, mais aussi sur celui-là. Et il le divise sur l'énergie principale ici. Normalement, il lui reste un emplacement. Même pas, il est plein. Hein, mes couilles. Et lui, bah, il est divisé pour aller là-bas. Je trouve ça magnifique qu'on peut en autant mettre d'énergie un peu partout comme ça. Je voulais pas mettre un autre appareil. Mais je pense que je serais forcé de le faire quand même. Parce qu'à un moment donné, les amis, hein, voilà, j'ai tout ça en termes d'énergie que je peux cumuler.
Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer un petit peu. Là, on va le bourrer un petit peu d'is qui est en train de se cumuler. Donc, on va là en mettre 200 dans ses dents, à lui. Parce que j'ai remarqué qu'on a besoin de rotor. Oula. Donc, on va faire ça directement. Et on va faire ça directement. Voilà, vous voyez, comme ça, je fais ça directement et ça se fait. Ici, il a besoin de plaques et de vis. Vous voyez, les plaques sont juste... Enfin, les plaques sont juste... je vais y arriver. Les plaques sont juste ici, 200. J'en prends 200 directement et je prends des vis encore. Que je divise, hop, et que je vais les foutre là-dedans. Donc il y a besoin de beaucoup de vis, 12 vis. Et autant de trucs comme ça, tac, et je récupère automatiquement les plaques derrière. J'en ai déjà 38, ce qui est déjà une bonne affaire, je trouve. C'est une bonne affaire, les amis. Je vais détruire les arbres là-bas avec ma petite trotron, que j'ai déjà dans ma main. La fameuse tronçonneuse que maintenant vous connaissez si bien. Sinon ce serait nul. Et qui détruit instantanément 3 ressources. Et il me fout ça dans mes poches. Et ça c'est merveilleux. Ça va très vite. Et ça consomme que quick. Ah ça c'est cool quand même. D'en arriver à ce stade, je suis heureux. Parce que c'était très long d'en arriver là. Déjà en termes de ressources, parce que je devais aller partout et nulle part à la fois. Là, je peux le faire à la main. Ça repousse, je pense. Mais le bois est plus rentable que le feuillage, bien sûr. Et ça détruit instantanément la tronçonneuse. C'est ça qui est bien. Ça nous évite de prendre à la main. Ah, non! Oh punaise, j'ai retrouvé mon... je me suis dit, j'ai un coffre là, je vais y aller, purée, j'ai failli mourir. Oh. J'ai failli me tuer. Bon, je suis plus costaud apparemment. J'ai pas envie de reperdre mes coffres, hein, ma vie. Hein. Oh là là, j'ai failli me tuer instant. Je suis passé sur le mauvais chemin. Après, il y a plein de chemins à visiter. Il y a des grottes aussi. Hein, on l'a pu voir sur une des épisodes. J'espère retrouver un de ces quatre. C'était quand même pas mal. Et ça dégage la plaine parce que je vois plus clair comme ça. Moi, je vois du loin. Ça c'est cool. Bon là je pense qu'au niveau du bois on est bon. Ma maison elle est par là. Je vais essayer d'éviter le coffre hein, tant que je le peux. Pourquoi pas au passage casser quelques trucs. Ici récupérer aussi de la bouffe. De temps en temps ça ferait pas de tort. Je vais pas le détruire. Si je détruis j'ai plus de bouffe. Ah non 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 faut que je... Ah oui, si je détruis là, j'ai plus de bouffe. C'est ça, il faut souvent réfléchir à ce qu'on fait parce que sinon on détruit tout. Et là, je vais pas détruire. Il y a de quoi manger. Si j'ai plus de manger, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Du coup, je finis le jeu, quoi. Et on pourrait plus rien faire. Alors maintenant, on a évolué, les amis. On va passer à un stade suivant. Et oui, il faut évoluer. C'est toujours comme ça. Donc, pour cet épisode, j'avais pensé... de passer l'update en faisant bien sûr les rotors comme vous l'avez pu imaginer que j'ai pas fait ça pour rien non plus. Donc les rotors vont m'être très utiles pour les épisodes suivants hein. Et surtout les plaques comme celle-ci que je cumule beaucoup et les vis etc. Parce que ici les amis on va passer au programme du tremplin. Il me fallait 50. Je sais même pas si j'en ai assez, j'en ai que 19. J'en ai que 19 et ça va être énormément difficile. Ça, des plaques comme ça, je pourrais les bourrer là. Bourrer ratatam, Amstramgram, vous connaissez. L'électricité, c'est là-bas, je crois. C'est ça. Chercher des câblages, 150 câblages. Voilà, 150.
qu'on va foutre directement chez moi. Et on va essayer, les amis, parce que moi, ça me prend la tête de sauter comme ça, comme un singe, tout simple. Comme un singe. Oui, on va passer le jalon suivant. Pour ça, il fallait que je fasse ça. J'ai du fer, donc du coup, ouais. Je préfère mes plaques ici directement, hein, au lieu de les repiquer de là. Bon, j'en ai, hein, c'est pas comme si j'en avais pas. Allez, hop. Ah, c'est 300, j'ai même pas fait attention, quoi. Oh, incroyable, comment que c'est cher, les amis. Donc là, ça se fait, hein. Directement là. Hop. Donc là, il nous faut directement des tuyaux, enfin des vis. T'as des vis, là, il y en a encore des vis. Encore des vis. On fait encore des rotors. On bourrait la moitié des vis là-dedans. Des tuyaux supplémentaires. Et moi, je vais faire déjà directement ici. Des plaques renforcées, il nous en faut 50. Donc tant que lui qui produit, moi je produis. Attends, non, c'est pas ça. Mais non, putain. C'est des rotors, et les rotors, ils ont besoin de vis. Ah, puis en plus... Mon Dieu. C'est gourmand en vis, en visserie. J'en aurais pas plus que ce que j'ai là, les amis. Aïe, aïe, là. Le rotor est très gourmand en vis. Ah ouais. Oh là là. De fer, je pourrais en faire et des vis. 600 vis. Allez, vas-y, fais des vis. Bon, là, ça va prendre un peu de temps. On va parler un petit peu de ce qu'on va faire. Donc, le cadre modulaire est encore plus cher que tout. Le cadre modulaire que vous pouvez voir juste en dessous des tôles de cuivre est extrêmement cher. Je pourrais le faire à la main. Mais hors caméra, ça prend déjà un temps fou de faire des plaques, des tiges. Mais imaginez des tôles de cuivre. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est autant de lingots de cuivre, quoi, pour ça. Ah, c'est directement des lingots, c'est ça que je me disais aussi, tiens. Pareil pour le cadre modulaire, c'est 12 tuyaux et... Ah non, pour l'instant, je peux pas me permettre. Ça va être comme ça pour l'instant et je diviserai tout ça, bien sûr, avec les tôles de cuivre qui vont de l'autre côté et je diviserai, bien sûr, les lingots. Et j'ai trouvé une zone de cuivre en plus. Je sais pas si je la retrouverai. C'était dans la zone, c'était pas si loin. Et on avait déjà croisé dans une des épisodes un monstre à ce moment-là. Je sais plus si à ce moment-là j'avais croisé ce monstre. Et j'avais trouvé la source de cuivre. Si j'avais croisé un gros monstre, un boss. C'est long, hein. Je vous avoue, c'est extrêmement long, mais pour ce qu'on a besoin, on peut pas faire autrement que de faire ce que je viens de faire là. 13, les amis, j'ai perdu autant de tuyaux, quoi. Oh là 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 là. Je peux peut-être en faire plus maintenant que 13. 14. Punaise. Oh là 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 là. C'est abusé, quoi. Tu te dis, mais non. Allez, rotor, je pense que je vais le mettre en priorité. Surtout les vis, apparemment. Je vais mettre un jalon supplémentaire au niveau de mes trucs. 42, on y est presque. Est-ce que lui-là, il en a fait plus que moi? 10, tout ce qu'il me fallait. Allez, prends tes vis. 25 vis, quoi, les amis. Ah, les vis, vous voyez, ça a du mal à se produire. Hein. Les tuyaux, ça va, là. Ils se débrouillent pas mal. Je vais aller foutre ça là-bas. J'ai pas envie de les faire moi-même. Alors, du coup, c'est lui qui va se débrouiller. Parce qu'il est déjà plein. Mais il est plein, les amis. Mais c'est parce que ça va pas assez vite. Je pense que j'ai l'idée de savoir comment il faut aller plus vite et je ne pourrai pas faire ça autrement, les amis. Je vais vous raconter ça tout de suite et je pense que ça va vous plaire. On va faire un level up de chaque appareil, je pense qu'on va pouvoir. Mais je ne peux le faire que de temps en temps, c'est-à-dire qu'il faudra que j'alterne entre chaque truc, ça va être très long.
Mais comme je les ai trouvés, ça va aller très vite. On va parler un peu de ces escargots là qu'on a trouvés. Alors, il faut savoir que ces escargots qu'on a trouvés, on n'en a que 4 malheureusement. On va en trouver au fur et à mesure des escargots, des électrolimaces, des limaces. En fait, c'est même pas des escargots, c'est des limaces. Ces limaces vont être scientifiquement cherchées des composants à l'intérieur rares pour en faire un liquide d'augmentation. Pour faire cette augmentation, on sera obligé forcément de... Non, c'est pas ça. On sera forcément obligé de trouver des limaces en masse. Mais pas qu'un peu, quoi. Donc ici, voilà, on a tremplin. Ça va pas trop servir. Mais au moins, je vais augmenter mes niveaux. Parce que là, c'est possible. Alors ici, les amis, je vais trouver un truc très spécial. C'est l'ascenseur orbital. Pareil au niveau des plaques, ciment c'est bon, plaque je pense que c'est bon aussi et on peut faire même les rouleaux, 1500 rouleaux. On va faire l'ascenseur orbital, je vais le mettre ailleurs que là où je suis parce que l'ascenseur orbital, je l'ai remarqué sur une des épisodes, je l'ai montré, cet ascenseur orbital les amis, il fait des kilomètres, 1, 2, 3, de haut. Parce qu'il se dirige dans le ciel. Alors, l'ascenseur orbital, on aura besoin pour évoluer aussi sur certains objets. Vous allez voir ça ensemble. On ne peut pas faire autrement non plus de l'avoir, lui. Et l'ascenseur orbital, il est tellement immense que je ne vais pas le mettre à côté et je ne serai malheureusement obligé de le mettre ailleurs que là où je suis. Peut-être là. Parce que ça prend une place, mais... Je vais vous le montrer. Voilà. Voilà un ascenseur orbital. rien que le pied. Hein. Là, on voit pas le haut parce que le pied, il est tellement immense. C'est rien que ça, quoi. Là, il manque des plaques et du ciment maintenant. Et je sais pas où le mettre. Il faut une autre plateforme quelque part. En tout cas, ici, je ne pourrai pas le poser. Ça sera pas possible. Donc, les plaques, c'est ici. On va tout de suite prendre les plaques nécessaires que je n'aurai peut-être même pas assez... Punaise! J'ai vidé mon truc. Imaginez un tout petit peu, rien qu'avec ça. Oh, 250, j'ai peut-être abusé. Mais le ciment maintenant, il est par là, le ciment. Il est là-bas. Vous voyez que j'aurais besoin d'une tour. J'aurais besoin de quelque chose qui me fait monter. Est-ce que j'en aurai assez? Bien sûr que oui. Bon, l'ascenseur orbital, on pourra maintenant le placer. Mais où? Là-haut? Ah, il y a trop d'arbres, il y a trop de fruits là-haut, il y a trop de trucs qui sont cool en plus. C'est un lieu non valide. Normal! Il y a le lieu, je pense que les lieux que je vais trouver vont être souvent non valides. Parce que l'ascenseur orbital, il va dans le ciel, les amis. Il est obligé de prendre une place, mais tellement. Yes, j'ai trouvé. Mais moi, il faut que j'arrive à monter, les amis. Et monter. Il va se poser, hein. Il va se poser, mais voyez les matériaux qui doivent arriver par ces trous là-haut que vous voyez. Et forcément, moi, faut que ces trous que j'ai accès direct. Hein. Donc ici, je vais créer une plateforme, je pense. Une énorme... Pardon pour le micro. Une énorme plateforme, les amis. Ici. Une plateforme assez plate. Pour moi, monter... C'est énorme. Est-ce que je peux pas faire un pont là ici et mettre le truc par-dessus? Faudra que tu bouges toi. Parce que là c'est du boulot mon gars. Eh ouais. Ça va être du boulot les amis. Avec les... Oh du transport. Ah non c'est transport ouais coussin. C'est pareil ça, ça coûte cher. Hein, regardez. Deux trucs comme ça d'électricité. Et puis quoi? C'est quoi de ça? C'est la coussin d'atterrissage, n'importe quoi. Tremplin.
Murs, les murs, ça n'a pas besoin, c'est les fondations qu'il faut faire, une grosse fondation comme ça. Peut-être même celle-là. Je pense pas que ça sera assez. Et les fondations, ça coûte cher, ça coûte quoi? Du ciment, et du ciment, j'en ai un masse. 6, 6, 6 ciments. 4, 4, 3, 5. Oh là 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 là. Les amis, je suis obligé de faire une fondation de folie. Parce qu'en fait, le terrain, il est pas assez plat, il est caillouteux et tout. Je vais aller voir là-bas si c'est pas un terrain non obsolète. De toute façon, l'ascenseur orbital en question, je ne pourrais pas l'utiliser de suite. Mais vraiment pas, pas du tout. Je ne peux pas... Ah non, 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 je peux pas ici, Nico. Ah, je ne peux pas. Faut que je trouve une plateforme. Trouvons une plateforme. J'ai trouvé ça là. Hein. Là, c'est faisable. Ah, ici, je peux faire un pont, vous voyez. Enfin, un pont peut naviguer entre les trucs ici. Donc, on va faire échappe parce que je vois plus rien. Mais ici, j'ai des fruits. Oh, j'ai des fruits, mec. J'ai des fruits. Là-bas, j'ai réussi à faire une grosse plaque pour aller là-bas. Pourquoi pas que je ferai encore? En fait, j'agrandirai. J'agrandis moi-même. Après, je peux monter. Hein. Je veux dire, je peux y aller hein, en haut. Je fais une grosse plateforme et j'y vais. Hein. Allez, pourquoi pas. Je vais éviter d'aller là-bas. Sinon, je vais prendre cher. Le ciment, il continue de toute façon à se produire. C'est ça qui est bien. 8 mètres sur 2. Comme ça, les amis. Une grosse platane de plateforme ici. De toute façon, si ça va pas, je peux le démonter. Mais non. Ça, c'est embêtant. Ah, il faut que ça soit énorme en fait. La plateforme, faut qu'elle soit, mais big. Elle va être énorme, la plateforme. Purée, j'ai failli me tuer. Ah non. Voilà. Oh là là, c'est hallucinant, la plateforme va être énorme. Bon, ça n'a pas de logique, hein. Ce que j'ai fait là, ça n'a pas de logique, mais bon, on va corriger ça par la suite, vous en faites pas. Oh là là, juste pour un ascenseur, quoi. Ah, heureusement que j'ai fait du ciment en masse, hein. Je pense que ça devrait être bon là, c'est parce que là je peux pas monter dessus du fait que voilà quoi. Je vais voir si je peux poser l'ascenseur dessus, c'est pour ça que je vais monter maintenant par là-bas du coup, je peux pas faire autrement. La nuit arrive forcément, fallait que ça arrive. Là, ascenseur orbital ici, est-ce qu'on peut le poser maintenant? Ah, on peut le poser. Ah, on a quelque chose. On a quelque chose, les amis, ça sera plus propre quand même. On a quelque chose, le sol est trop incliné. Et ici, on a quelque chose. Sauf que c'est pas organisé du tout. Je réfléchis, je vais réfléchir encore. Je pense pouvoir le mettre là. Allez, c'est parti, les amis.
Waouh. Waouh. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est de ce bruit? Wow. Ah, ils envoient un truc de l'espace. Oh là, c'est impressionnant. Faut reculer pour tout voir. Waouh. Hallucinant. On a réussi à le faire. D'accord, qu'est-ce que c'est de ça? J'hallucine! J'hallucine! Ah forcément, ouais, je suis carrément dans le sol là, bah forcément, bah oui. Et je peux venir dessus déjà, c'est ça le principe. Oh my god! Livraison de ressources, c'est pour livrer des ressources là-haut dans le ciel, chez notre voisin. Livraison de ressources de l'ascenseur orbital. Projet assemblage plateforme. Débloqué à la livraison au palier 3 plus 4, c'est pour aller plus vite en fait. Charger les ressources pour pouvoir... Alors pièce numéro 1 du projet... envoyez-les dans l'ascenseur orbital pour terminer les phases du projet d'assemblage. Et en fait, on peut faire des plaques. Je savais même pas que je pouvais faire des plaques, moi. Ça doit être en bas. Mais là, forcément, je vais avoir du mal à monter à chaque fois ici. Parce que c'est pas fait pour. Ah bah, je peux monter ici. Il faudrait que je m'organise. Ah oui, il faudrait que je m'organise là. Ah, c'est énorme, je suis content, je suis heureux, les amis, là. On a fait cet ascenseur, mais de folie, regardez ça, quoi. Ça va dans le ciel, ça a plus sens, quoi, c'est... Oh, ça va vraiment là-haut, dans le ciel? Bah ouais, ça va dans le ciel, bah écoutez. Écoutez, je suis fou, j'ai envoyé un ascenseur dans le ciel, c'est un truc de dingue. Et la production ne s'arrête pas, ça, c'est encore mieux, ça. Et l'énergie, elle est au maximum. Elle est au meilleur d'elle-même. Oh là là, je suis content les amis, j'espère que ça vous plaît. Commentez, surtout n'hésitez pas. Je savais même pas que je pouvais faire des plaques. Sur où les plaques? Des tôles. Comment qu'on fait des plaques, mec? Je peux pas faire des plaques pour l'instant, à moins que... Je sais pas, ils disaient de rassembler... des trucs pour faire des plaques, pour recevoir des plaques, pour pouvoir faire des plaques. On aura un échelon supplémentaire, le 3 et le 4. Ah, il faut faire l'ascenseur orbital pour pouvoir faire la suite, les amis, sinon j'avance pas. C'est pour ça qu'il fallait le faire, d'accord. Ils sont pas bêtes. Ici, il me faut des tuyaux et du ciment. C'est faisable. Programme bonus de broyage et de ressources, on va essayer de le faire. Donc on va mettre tout ce qui nous reste. Hein. Les tuyaux, ça, j'ai pas du tout, mais du tout, de rouleaux électriques. Et les rouleaux électriques, je me perds les amis, je suis en train de me perdre dans mon propre projet. Donc il nous faut des tuyaux, c'est marqué en haut à droite. Là j'en aurai largement assez. Donc ensuite il faut de l'électricité. Donc il faut automatiquement des câblages. Et à force je sais même plus où c'est là-bas. C'est en face de moi. Donc les rouleaux, j'espère qu'il y en a encore beaucoup. Il y en a encore vraiment beaucoup. Et du ciment hein, du ciment qui est en productivité à l'opposé je crois. Je sais même plus là-bas. Là, ici, là-bas, en haut. Et cet ascenseur, il est où? Oh les amis! Oh là 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 là. Et je l'ai bien mis! Je l'ai bien mis en faisant la plateforme. Franchement, je suis très content de ce que je fais. J'espère que ça vous plaît. Ah, je l'espère parce que franchement, c'est du boulot.
Ah, ici, ça convient pas du tout à ce que je pensais. Et ici, il nous faut 400, quoi, mais mec. 1441, j'en ai largement ce qu'il nous faut. La maison, maintenant, faut retrouver la maison qui est ici, au milieu. Là. Ouais, je me perds, il y a trop de machines. Allez, on envoie tout ça. C'est parti, les amis! Programmage en cours! Nouveau bâtiment! The anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program. Je suis désolé pour la moto qui passe, que j'espère que vous l'avez pas entendu. Il a fait un boucan d'enfer. Depending on their amount and complexity, we'll grant you coupons in the awesome store. 4 minutes 38 les amis, je vais vous laisser là-dessus. Cette femme, elle parle tellement que j'en ai marre d'elle. Ah ouais, je divorce d'elle. Pour cette ascenseur orbital, j'espère que ça vous a plu les amis, j'espère. Commentez, likez, partagez, mais surtout n'hésitez pas à abonner-vous, ça ferait énormément plaisir. Le petit pouce bleu de l'amour si ça vous a plu, que j'ai posé ça là. L'ascenseur orbital coûte extrêmement cher, mais sachez qu'il faut une plateforme maintenant, il faut quelque chose de plat, et je l'ai fait. Je l'ai fait, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à me demander en commentaire des astuces, peut-être que je sais que vous ne savez pas et que vous savez aussi. La petite cloche de notification, les amis, aussi, ça fera plaisir. Je vous dis à la prochaine, c'était The Death, et la barre est à mes pieds. Allez, zou.